Hello à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer A Plague Tale Innocence. La dernière fois, du coup, petit récapitulatif de ce qui s'est passé. On a du coup été sauvé par deux, on va dire deux bandits, enfin deux voleurs plutôt. Il y en a la fille, parce que c'est un homme et une fille, par un mec et une nana. La nana nous a aidé à sortir du camp pendant que son frère, du coup, comment, foutait un peu le trouble. Et au moment où on continuait de. Enfin, pendant la phase où on continuait de se barrer, on a appris que son frangin avait été capturé. Si j'ai bonne mémoire. Du coup, concrètement, là, on sait pas trop ce qu'on va faire de lui. Et on a aussi trouvé, du coup, un château en ruine, mais un château quand même, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rats. Sauf que là, on a réussi à se débarrasser des rats. Maintenant, ils sont dans un gros fossé. Et nous, maintenant, avec le petit frère, Lucas, donc il y a Hugo, Lucas, la sœur, je me rappelle jamais de son nom, elle a un nom à la con. Et du coup, la sœur de celui qui s'est fait embarquer sont dans le château. Et on s'était arrêté là. Du coup, je vais juste lancer ça comme ça, voilà, je serai tranquille. Hop. Pic, 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 pic. Ok, j'ai eu peur. Ah, ok, c'est le fichier qui m'ouvre, c'est pas ça que je veux. Est-ce que je peux le trouver comme ça? Non, je ne peux pas. Ok, du coup, faut que je vite. Alors, déjà, je vais couper la musique, parce que sinon, c'est encore un truc que j'ai oublié de faire. Voilà, parfait. Alors, Plectel, où est-ce que tu es? Tu es là. On rouvre vite ça. Voilà, parfait. Hop, voilà. Parce que le jeu, du coup, je l'ai pas lancé avant. Parce que, avec les petits coups de freeze, ça devrait aller. Bien. J'adore la musique par contre. Bon, c'est juste un fredonnement, mais je trouve ça très joli, perso, ce genre de truc. Alors, je vais juste. Ok, c'est pas trop fort pour vous. J'ai été obligé de baisser le son dans mon casque parce que ça m'a flingué les oreilles. J'ai un mal de crâne depuis ce matin. Donc maintenant, chez nous. Apparemment. Du coup, on va pouvoir continuer notre petite aventure avec ça. Je ne ferai pas le 2 direct derrière, je ferai un autre jeu auparavant. Je sais pas encore quoi, mais je ferai pas le Requiem avant. Ah, Hugo, Amicia, Emily, on retrouve Lucas, donc voilà, c'est Amicia, Emily. C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Oui, bah tu vas attendre 2 secondes, mon petit frère. Il va falloir qu'on rapiasse ces paillasses. Qu'on rapiasse ces paillasses. Qu'est-ce que je peux augmenter? Ma poche ou mon sac de munitions? En fait, je peux faire les deux, j'ai l'impression. Ah, presque! Parce qu'il y a 14 munitions de chaque type, ok. Jusqu'à 16 matériaux de chaque type. Bon, on va faire celui-là déjà pour commencer. De toute façon, je pourrais pas parce qu'il me manque un crochet. Ça va me simplifier la vie. Voilà, parfait. Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Pff, ouais, d'accord, il y a juste une croix quoi, qui a été trouvée. On va avoir du travail. Je sais pas où est-ce que j'en suis par rapport à la fin du jeu. Je dois pas en être très très loin. Bon, je pense qu'à mon avis, à la fin de ce jeu-là, je vais devoir attaquer le l'inquisiteur. Je ferais mieux de rester avec Hugo. Ok.
Et du coup, concrètement, le mal de Hugo, on sait juste que c'est juste un mal sanguin. Mais nous, on l'a pas. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut être comme type de maladie? On va suivre le petit frère. On va continuer de fouiller quand même malgré tout. Un Hop. Lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. On verra ça, ma grande, on verra ça. Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Ah oui, oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi? Je fais quoi? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, oh, une bougie. Ça doit être ça. Ça, je sais faire. Ah, moi, mon objectif, c'est de tout ramasser pour être sûr de rien rater. Tiens. Je suis sûr que j'ai raté beaucoup trop de trucs. J'avais trop de soufre, ok. Tiens, autre chose? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. J'y vais. Ah, voilà. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la Macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. La Macula, c'est quoi, c'est la maladie? Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Hugo. Le grand œuvre. C'était pas censé faire ça. Oh. C'est pas grave. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens. Je te suis. Il est très heureux, le gosse. Au fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Je pense pas qu'elle soit barrée. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. À mon avis, elle est partie chercher son frère. Ouais. Wow. Amicia, viens, on fait tous les deux. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mélie, alors t'es pas partie? Viens. Faut qu'on parle. Oula. Elle va m'annoncer qu'elle veut qu'on aille chercher son frère. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sage et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots... Parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia! Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia! Viens, s'il te plaît! Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé? Là, en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens! Je te suis. Et on dit bonjour à mes voisins qui foutent le bordel comme tous les jours. Vous êtes alchimiste. Lucas sera content. Alors attends, c'est quoi? C'est un collectible? Ok, c'est un... Ok. Ouais, bon, j'ai raté beaucoup de trucs, mais bon, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, tout ça. Il est parti où, ce con? Ah, là. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être? Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens! Allez, par ici! T'es fait de nouveaux amis? Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait ? Amicia ? Ah ! C'est le blason de leur famille, si j'ai bonne mémoire. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Oh, les veines ! On va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée. Je dois partir. T'inquiète pas. Je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Oh, la balafre qu'il a sur la joue ! Alors, juste, je vais me permettre un petit truc de seconde, les enfants. Ah, la maladie de la macula. Le terme macula qui signifie tache en latin désigne une zone de couleur jaune située au centre de la rétine dont elle s'occupe. Bon, elle occupe 2 à 3% de la surface seulement, un diamètre de 2 à 5 mm. La macula comprend en son centre la fovea, petit creux qui permet l'acuité maximale de l'œil, c'est-à-dire celle qui donne la vision des détails la plus précise. La macula joue donc un rôle essentiel dans la précision des gestes et des activités comme la lecture, la couture, la reconnaissance des détails et des visages. La conduite automobile, la fixation du regard, etc. Voilà. Je veux pas les infos de Requiem, hein. C'est que Innocence que je veux. Excusez-moi, je fais mes recherches, j'aurais dû le faire avant, mais je me rappelais plus du nom de la maladie. Alors du coup, c'est la prima macula. Une vieille histoire, elle part de la prima macula. Les alchimistes disent que c'était la première corruption et qu'elle voyage silencieusement dans le sang de certaines familles, mais quelque chose s'est passé. La grande casse et la macula s'est réveillée dans le sang d'Hugo. La macula ne se soucie. La prima macula, ou simplement la macula, est le pouvoir qui permet à ses porteurs de communier avec la maladie, malgré les premières indications, il est à la fois quelque peu conscient de lui-même et malveillant. Il court particulièrement dans les lignées de certaines familles. Il sévit dans la famille de Rune, notamment réveillé dans le sang d'Hugo de Rune. Et pourquoi dans le sang d'Hugo et pas de d'Amicia, par exemple ? Question conne, je sais, mais...
Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. Et là, il n'y a plus de roses. Parce que sinon, ce sera trop simple. Donc, cette fois, on a pu à s'occuper du petit frère. Ok. Épisode 9. Dans l'ombre des remparts. Pour l'instant, mon mal de crâne s'est un peu calmé, mais c'est pas encore ça. La règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentil. Chut, c'est bon, on est arrivé. Tu devrais te cacher le visage, toi aussi, Amicia, au cas où. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens. Allons-y. À toi, Mélie. D'accord. Je t'ouvre ça. Et je file m'occuper d'Arthur. D'accord. Mais... au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. À l'autre bout de la ville. Génial. Tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. Allez. Passe. Alors, tu m'es redevable, tu n'as pas le droit de mourir. Je sens que elle et son frère vont crever. Toi aussi. D'accord, donc là on joue solo. Ok. Là c'est... Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais ils ne croient pas qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes. Allez, viens, on doit faire partir les gars. C'est moins risqué. Fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Ces ordures, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Je veux pas le savoir. Mais à mon avis, il cherche quelque chose. J'ai pas envie d'utiliser mon jouet, t'es sérieux? Oula. On va essayer de pas se faire choper quand même. Dit essayer. Ok, je disais que mon mal de crâne était passé, pas du tout, c'est en train de revenir. Et de façon très vénère. Wow. Là-bas, ça doit être l'université. Cette lumière, j'aime pas ça. J'espère qu'ils sont pas en train de faire cramer l'école, enfin l'université. Tu vas y arriver. Allez, Amicia. Utiliser une fronde alors qu'il y a des lances et des épées partout. Ça me fout droit, ça. Hé, toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là ou on vient te chercher! Foutu bourgeois. Tu m'expliques comment il m'a vu? Alors que je suis vraiment dans le noir. Il a une sacrée vue le pélo. Là il me verra et je dis pas, logique. Mais bon. Voilà, c'est ça qu'il me faut.
Attention. Dernier appel. Sur ordre du grand inquisiteur Vitalis. Ah. La loi martiale est instaurée. Et la ville sous contrôle de l'inquisition. Tu vas me le payer, crois-moi. Sale, très sale. Et encore, quand je dis sale, je suis gentil. J'avais pas vu. Viens par là, petite branche. Pourquoi en prendre qu'une alors qu'il y en a plusieurs, quoi. Mia. Allez, Raust, schnell. Je vais chercher mon chat, vous allez loucher. Va bien. Putain, va essayer de cocher des trucs avec ces rats dans les pattes. C'est quoi? Personne. T'as rien vu, mon con. C'est débile. Pour l'instant, tout va pour le mieux. Si j'ose dire. Ouf, chiche. Ok. Par là, ils me suivront pas. Hop, suivant. Si l'inquisition vous prend, vous êtes mort. Est-ce que c'est partout comme ça? Putain. Il y a des rats à plus savoir quoi en foutre là-dedans. Salpêtre. Je peux descendre sans risque? Apparemment. Ok, ok. Un petit truc, ok, c'est bon. J'ai cru que j'avais programmé une touche pour enlever le micro, mais non, tout va bien.
Pourquoi je passerai pas par là? Je vais voir ce qu'il y a là. Je sais pas où je suis. Mais au moins je suis encore en vie. Ouais. Et rentre là-dedans. Et reste-y sagement. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari! C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp! Pas toute seule! Je peux pas partir sans lui! La ferme! La loi martiale, tu connais? Tu veux crever avant lui? Il a raison, oh, Anna. Je suis contagieux. Reste pas là. Écoute-le! Tire-toi! Maintenant! Oh mon Dieu! Ah, vous m'épuisez avec vos conneries! J'ai pas signé pour ça. Espèce de schlag que tu es. Oh putain! Oh putain! Ah! Je dois occuper ces rats. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Honnêtement, pas de sitôt. J'ai bien fait de regarder derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Y'a que Pouic! Arnaque! Remboursé! Ah, attends. C'est très glauque quand même. Ils les ont tous exécutés. Yish. Ah bon? On n'a pas la même définition de discipline, mon con. L'inquisition vous sort de là. On va tous aller en enfer. Il y a trop de rats là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Ouais, mais comment? Avec lui, là? Oh, de la ficelle! Ficelle! Gisèle, la ficelle! Oh, il y a un truc, là. Ah! Déception. Il est fermé. Ah, oui. Puis, de toute façon, je vois les rats derrière, donc c'est même pas la peine. Comment que je monte? Les distraire. Les distraire comment? Ah, je vois. Allez, Amicia. Accroche-toi. Pense à Hugo. C'est pour lui que tu... Et maintenant? J'ai l'impression que je suis un tantinet bloqué là, non?
Ok, d'accord. Alors, hop. Ok. Je l'avais pas vu. Mes excuses. Je suis charmé par le jeu. C'est dégueulasse. Heureusement que j'ai de quoi crafter ces cochonneuils. Ok. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tout va bien. Et à un moment donné, je suis sûr que je vais être obligé de courir. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. J'ai cru que j'y arriverais pas. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. En même temps, ce sera compliqué de l'oublier. L'odeur de la mort. C'est pas un truc que tu oublies facilement, on va dire. Je tourne la tête. Non, mais n'importe quoi. Je penche la tête comme si j'étais dans le jeu. L'université. Tu vois. Allez, Amicia, continue comme ça. Pour moi, elle est en train de cramer le. L'université, je sais pas pourquoi. Le cimetière. Il est sur le chemin. Charmant. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Oh, t'es intelligent ce machin. Permet aussi d'ouvrir les chemins au milieu de rats. De les bloquer. Merci Captain Obvious, sauf qu'apparemment, de ce que je vois, j'ai raté un truc là-bas. Ah, t'es dans l'autre sens s'il te plaît. Oh, ça me... Alors les rats IRL, bizarrement, ça me dérange pas. Mais dans ce jeu, c'est gay. Allez, quoi, donne-moi au moins quelques pièces. Oh, non. Ah, t'as bien quelque chose. Un truc précieux. On a tous un trésor. Allez, Amicia. Hey.
Ça t'apprendra. Comme qui dirait chez. Sauf que là, je vois pas trop ce que je suis censé faire. Ah, c'est là. Effectivement, c'est de là que je dois passer. Ce que je dois faire comme ça pour être sûr. Une fenêtre. Parfait. Allez les rats. Pas trop non. Ah non, je crois que c'était. Je crois qu'il y a le grand inquisiteur. Bon ça va. Grand inquisiteur, putain j'ai l'impression de parler Star Wars. Maître, voici l'épisanguis. Voyons ça. Oh un alchimiste. Épisanguis. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert? Nous appelons cela Odorus. Oh. Ah. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais... pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs... comment pourrais-je dire? Des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Charmant. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. Sympa la faux. De l'épisanguis? Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. Sympa la faux qu'il a donné. Allez, c'est juste un cimetière. Ah, avec du soufre apparemment. Bah ça doit être l'épisanguis. Putain l'épice. Putain le nom du bordel toi. L'épisanguis. Tiens tiens. El famoso. Parce que je dois remonter par là-bas. Il bouge. Mais je dois grimper par là, moi. Oh putain. Ah, merde, putain. Ça marche. Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. Tu m'étonnes, Watson. C'est incroyable cette merde. Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. C'est incroyable cette cochonnerie. Je m'en fais autant que je peux. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Je
Je dois trouver quelque chose pour me hisser. C'est où, Cynthia, alors? C'est des excréments. Concrètement, les pissenlits, c'est de l'excrément. Non, mieux qu'on se le dise qu'on parle français, c'est du caca. Non? En tout cas, si c'est pas de l'excrément, ça doit se trouver dedans. J'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Où c'est que t'as vu une charrette, toi? Attends, où c'est qu'elle a vu une charrette? Ah! Ok. Putain. Oh putain. Ok, là je suis dans la limite. L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Merde, putain. Oh, charmant ça. Ça me plaît bien ça. Ok. Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai le truc pour en même temps, je me suis bloqué comme une cruche. Mais bon. Réfléchis, Amicia, réfléchis. Tu peux attirer Serra où tu veux. Tu dois les coincer. Il faut bien. Comment? Enfin, où surtout? Là-bas? Ah non, c'est là que je dois aller. Non? Non. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Alors déjà, je vais aller récupérer ce qu'il y a là-bas. Je dois pouvoir les attirer dans ce renfoncement. Et les bloquer avec la lanterne. Oh, attends. Je vais essayer de le récupérer le truc autrement. Voilà. Maintenant. Alors apparemment je dois les bloquer là-dedans. Ok, je me suis chié. On recommence. Heureusement que j'en ai à chier de ce bordel. Grouille-toi, Amicia, par pitié. Et voilà. Oui. Ah la vache. Cerveau qu'il faut pour ça. On fait un peu. Faut que je le fasse tomber là-bas. Oh. Oh non. C'était vraiment très discret. Lucas l'a déplacé. Donc attends. Là j'ai vu qu'il y avait ça ici. Et c'était pour faire ça. C'est pas très utile. Du coup, faut que je la ramène là-bas. Donc pour ça, il faut que je fasse ça. Comme ça. Comme ça, je les appelle là-bas. Et je le bloque comme ça.
C'est bonne jeune là. Parfait. Le cerveau, malgré le mal de crâne. Tu t'en sors bien même. Malgré mon mal de crâne, ça va, j'arrive quand même à réfléchir correctement. À peu près correctement. Bon, mal de crâne, au moment où j'en parle, ça revient. J'y ravis. La ficelle. Je suis Gisèle. Gisèle la ficelle. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, j'ai pas trop envie de le savoir, tu vois. J'y suis presque. Lucas, il a intérêt à exister, ton livre. Bah, il a intérêt à pas avoir cramé, surtout. Ah ouais, carrément, ils ont utilisé les rats pour buter les malades. C'est pas possible, ils ont utilisé les rats contre les malades. Mais c'est pas les rats les monstres en fait, c'est eux. En fait, j'ai l'impression que la plupart des jeux que je fais en ce moment, j'ai l'impression que c'est une critique de la société dans laquelle on vit. C'est grave quand même. Vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps. Doris, je pourrais essayer. Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. J'ai aucun scrupule à faire ça. Enfin, aucun remords. J'aurais peut-être dû tenter de faire ça avant de d'essayer de le faire bouffer, se faire bouffer par les rats. Voilà. C'était une erreur de ma part, je suis désolé. Comment je fais pour les attirer hors du pont ? Hop. Et... Ouais, comme ça peut-être. Et mal le troupeau de râle. Oh putain. Pourquoi ils sont encore là? Les pissenguis, les cages. C'est pas une simple évacuation. On va tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres. Jusqu'au grand inquisiteur. Il restera plus personne. Mais ta gueule ! J'ai trouvé ! Merde, j'ai raté. Ah putain. Je me suis chié comme une merde. On passera le mal les uns aux autres. Grand inquisiteur. Il restera plus personne. Mais ta gueule ! T'as pas fini de chialer ? Je veux plus t'entendre.
J'ai déjà dit que j'avais aucun remords, tu sais, les gardes de l'Inquisition. Ok. Rinako. Mais non, t'inquiète pas. T'inquiète. Ah, j'ai compris. Facile. Et mal la taille des rats. Et voilà. Je sais pas quel chemin est bon. Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Ah bah il est mort. Voilà. Ah, je peux pas y retourner. Merde. J'aurais dû aller vérifier l'autre côté. L'université est là. Oui. Oh! Moi aussi je t'aime, grande folle. Les rats aiment beaucoup les gardes de l'Inquisition aussi. Je me tape un mal de crâne. Ça veut pas passer, ça me gave. Oh, je l'ai raté. Non, non, c'est juste mon mal de... J'ai juste mal au crâne, en fait, je sais pas pourquoi. Hé hey, chez moi. Pas de bête. Ouais, j'avais mal au crâne rien qu'en me levant ce matin. Alors que j'ai pas touché à mon écran depuis hier soir. Oh toi. Oh tu fais. Oh toi grand fou. Ici. Et souvent les sinus bouchés comme qui me dit le 2. Bah non, moi j'ai pas les sinus bouchés en fait, c'est ça le truc. Allez, mange. Non, j'en ai plus.
J'en ai plus de médoc. Oh putain. Je peux là, la douille, ouais, je peux t'assurer que je douille sévère là. Depuis ce matin. Grand Inquisiteur, putain de merde. Mais enfin, qu'est-ce qui... Ok. Ah putain, je peux plus faire de somnum. Ils sont lourdement armés. C'est trop risqué. J'ai bien cru que j'allais cogner un de ces alchimistes. Calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être... Ouais. Allez. Il y en a un qui disait que Vitalis va pas bien. On savait que ça allait arriver. Nous devrons prier pour lui. Je savais que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Hein ? Oh, il est souffrant ? Bah, chalux. Ça va être très chaud. Ça va pas, espèce de folle. Non, c'est trop risqué de faire ça. Ok, ils ont le dos tourné, pour l'instant tout va bien. Sauf que je suis sûr que c'est pas là que je devais aller. Ah si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai raté des objets, mais bon, tant pis. Épisode 10, le chemin des roses. L'université. Le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol. Le chemin est semé de roses. Des roses ? Où je vais trouver des roses ici ? Sur des peintures ? Des tableaux ? Le sol ? Oh ça, utilise ton cerveau. Moi le mien il est assez flingué comme ça. Bien haut, Amicia, mais je suis pas sûr que tu apprécierais la réponse. Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Genre le truc qui paraissait pas du tout évident. Quoi. Ça fait combien de jours qu'on est là ? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, va. Vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. J'ai une tête en moins. Fais dodo. Sois pas débile, fais dodo. Sois un bon garde. Fais comme Madeleine dans le Bossu Notre-Dame 2. Sois beau et tais-toi. C'est fermé de l'autre côté. Ok. Qu'est-ce qu'il me propose ? Ok, j'ai compris.
Hop. Ah. Remonte à mission. Sois pas débile. Voilà. Sois un amour de petite fille. Enfin, de jeune fille plutôt. Je sais pas quel âge elle a, je m'en rappelle plus. Là, normalement, j'ai aucun risque. Oh ! D'accord. Avec un peu plus de bruit, s'il te plaît. Vous avez assez de livres ou je vous en mets plus ? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire. Ah, c'est de la lecture païenne, tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines. Et ce savoir fait quelque chose. Alors continue de fouiller. Et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre. La couverture le rouge, ouais. Il le cherche aussi. Je dois faire vite. Okay, je trouve où je dois aller. Ces putains de races. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Ok. Franchement, la prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. LOL. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au Bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. Oh, les voilà. Allez, sortez de là. Allez. La première fois, c'était déjà trop. Allons-y. Ils ont l'air concentrés sur les cadavres. Une marguerite. Oh ! Ta maison doit réussir. Porte-moi chance.
On fait ça pour Hugo. Marguerite! Une Marguerite! Ok, j'ai pas besoin de... J'ai plus besoin de m'occuper d'eux apparemment. C'est tricky, c'est risqué, mais apparemment ça le fait. Attends, par contre, ma chaluxe. Est-ce qu'il va finir par recouvrir le monde ? Oui. J'ai le nez qui me chatouille. Sont où les roses là? Bon, là je crois. Là, parfait. J'aurais le dictionnaire inculqué dans le crâne. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Un prisonnier. Pardon, je remets mes chaussettes. Cette porte. Je peux pas passer par ici. Il y a trop de gardes. Aïe. Oh putain. Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Claquer là, non? Bougez pas. Mais c'est bâtard ça, les mecs. Garde, des intrus. Ça, c'est bâtard. Il aurait pas dû venir sur moi. Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Il y a des rats là-bas. Tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Les petits bâtards. Chaussettes. On est d'accord, on aurait dû une fronde. Je reviens. Il y a moyen de les niquer, mais je sais pas comment. Ah putain, je l'ai raté! Pute! Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Je suis censé faire comment? Tu m'expliques comment il m'a vu lui?
que des frismes 5G, maman. Quoi, tu m'étonnes. Voilà. Chaussettes. Et il fait encore vachement jour pour 8h. J'espère que je m'éloigne pas trop. Pour 8h de soir. Les roses. Je pense que là, après, ça va me parler de roses à l'extérieur. Parfait, je vais pouvoir augmenter. Des petites choses, encore des petites choses. Augmente la durée d'effet de l'Odoris et de Luminosa. La munition d'Inifer distrait les ennemis alentour. Je vais les fermer depuis ce matin. Ah, vampire. J'aurais préféré autre chose, mais bon, on va dire que ça c'est déjà pas mal. Ça va me simplifier la vie. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénévent. Bénévent ? J'aurais dit Bénévent, moi. N'imagine pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite ! L'épisanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Réfondeur. Ah non, merde. Que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Ok, il est gros, lui. Vite. Je dois pas les perdre. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain, tu sais pas fermer ta gueule, hein? C'est toi qui dis ça. Mais...
Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. Ils ont vraiment aucun remords à faire ça. Je devrais peut-être les tuer, les alchimistes, non? Alors c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad Ignem. Ad Lucem. En fait, je crois savoir pourquoi j'ai mal au crâne. Tu sais, mon ami et moi, avant, on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Je dis d'ailleurs, la forme aura taillé assez profond. Je crois que je sais pourquoi. J'ai hâte. À cause des connards qui me servent de voisin à taper toute la journée. De ta gueule, non. De mettre un coup de fronde dans la tronche, oui. Oh, c'est bizarre. Bon, là, je peux bouger sans crainte. Par l'immédiat. Oh, putain. Allez au travail. Vous avez ruiné le sol. Une armure lourde. Oh, il doit y avoir un moyen. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale, le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Je veux pas te presser, mais il continue d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Et voilà, ramène-toi. L'alerte est donnée, ils vont plus nous lâcher. Icorico, le furet. On va où comme ça? Réfléchis pas, cours. Un seul cul-de-sac et on est fichu. Il faut qu'on se planque. Non, il faut qu'on les ralentisse. Pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Enfin, il y a un seul bouquin qui m'intéresse, mon grand. Oh, wow.
une autre bibliothèque. Sous la bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde ! Là-haut ! Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Tu m'aiderais avec ça ? Ça marche. Oh, intéressant. Les étagères forment une coursive. Ton chemin jusqu'au livre. Facile ? Peut-être parler trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Roderick ? D'accord. Bouge, Amicia. Tu gênes. Excuse-moi. Maintenant ! Ça roule. Non, pas lui. Non ! Attends. Dessus. Lui ? Ouais. Débile. J'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. J'espère qu'en mangeant ça passera mieux. Parce que là mon mal de crâne il est juste infâme. Parfait. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. Bon, pour l'instant ça devrait aller, mais par contre je suis en train de voir que mon fond vert il aime pas trop les deux lumières, il aime pas la lumière du jour et la lumière de ma LED en même temps. Genre là, là on voit bien le défaut de la lumière qui est derrière mon fond vert. Ouais, faut au pire, c'est pas trop grave pour l'instant. Je m'appelle Amicia et toi c'est Roderick, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Des sortes de moines. Pas bavard. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Ok, j'ai compris. Roderick ? D'accord. Non ! Ah, ok, non. Je pensais qu'il allait falloir que je le remette ici, mais non. Allez, avance ! Hé, te fais pas mal. Tu veux que... Non. Mon frère, je lui dois ça pour tout le temps où j'ai pas été là pour lui. Ouais. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. C'est trop calme. Où sont les soldats ? Vas-y. Ça roule. Eh bah, ça c'est pas de la mort. Allez, il faut qu'on en finisse. J'ai la coupe pour le développe. Maintenant. Ouais. C'est bon. D'accord. Thank you.
J'y suis. J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Absolument, j'ai le bouquin. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Imagine que même avec le casque et la musique du jeu, plus le son général du jeu, j'arrive à entendre le bordel que fait mes voisins. T'es prête ? Oui, plus que jamais. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez ! Où ils sont, bordel ? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. Choses ont pu régénérer à ce point. On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr ? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Rodrigue, à toi. Je t'avoue, j'aimerais bien parce que j'en peux plus. Là. Ça fait 3 ans qu'il me gave. Waouh ! Tu fais ça souvent ? Non. Mais j'y prends goût. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Venir. Je peux faire diversion. Bon. Ok, j'ai vu. Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. Bien joué. J'y suis peut-être allé un peu fort. Ah, mais je te jure, ça fait 3 ans, c'est toujours le même bordel. Ça fait plusieurs fois que j'appelle les proprios, à savoir la mairie du patelin où j'habite. Ils répondent jamais. Enfin, ils me rappellent jamais, ils en ont rien à foutre, hein, vraiment. D'accord, donc les mecs ils lancent. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Ouais. Travail. J'aurais pas aimé me prendre ce coup-là. Non, moi non plus.
Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Ah, j'aime pas rester à deux. Comme ça, on s'en prend un chacun, ça te dit? Je me fais celui avec le casque. D'accord. C'est juste une... Tu peux t'occuper de lui. Tu vas me le payer. Parfait. Joli. Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. Il est con, il m'a fait peur. J'ai cru que c'était un garde. Ça est-ce que je tente là? Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer. Est-ce que j'ai des remords? Pas du tout. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. On doit en faire bouger un. Ouais. Amicia. Elle est bloquée. Ok. Oh putain, t'es sérieux? L'abus.
Oh, t'es sérieux? J'ai été attaqué. Fouillez les environs. Mais alors, où est-ce que c'était? Comment ça se fait que les rats ils bougent pas? Les rats ne bougent pas. Pourquoi? Je finis cet épisode et je m'arrêterai là parce que mon mal de crâne il est trop sévère là. Quand tu veux. Oui, allez. Ils connaissent l'endroit. Pas moyen que je vous rate. Le garde. Compte sur moi. Allez, adios, débilos. Bien joué. Il ne relèvera pas. Tu peux me croire. Vraiment entrer là-dedans. Ouais, si tu veux respirer, c'est maintenant. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi, et fais gaffe à ton livre. Ils sont là, t'occupe pas d'eux. Seigneur. Je te retiens d'ici. Allez, allez. Elle, encore, réveille-toi. Verrouillé. Ça brûle derrière. T'approche pas! Qu'est-ce que tu fais? Je l'ouvre! Rodrigue! Est-ce que ça va? Cours! On est presque! Il va mourir cramé ce con! À gauche! Allez! Par ici! Ok, épisode 11, envie. Ouais, bah pas mon crâne en tout cas. Oh. J'attends que la cinématique se termine. Vous avez réussi? Attrape! Je te préviens, il
Il sent un peu le brûlé. C'est qui, lui? Roderick. Mais chut. Le Sanguinis Itinera. Ça raconte quoi, ce livre? La façon de te tuer! Ah, quoi? Ah non, c'est pas ça, merde. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Ah, y a un truc qui pue. Je sais pas pourquoi. Merci. J'arrive. Ok, alors pour l'instant, ça a l'air d'aller. Tu t'amuses, Nako? Non, non, non! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça. Eh, est-ce que ça va? Oui, ça va. Dis. Hop! Là, de toute façon, vu que c'est le début de l'épisode, on va se le retaper la prochaine fois. Mais là, dans l'immédiat, on va s'arrêter là. Là, mon crâne ne supporte plus. Du coup, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de A Plague Tale Innocence. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'on est plus trop loin de la fin. Je crois qu'il nous reste du coup 5-6 chapitres épisodes après celui-là. Merci Nako d'être venu. On se retrouve demain du coup pour continuer Ratchet & Clank. Demain soir. Mercredi soir, on continuera Lego Batman. Et jeudi soir, on fera du coup du Dying Light avec Setan et Titi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée, soirée à laquelle vous regarderez cet épisode. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bisous à tous et bonne soirée. D'accord. Bon courage pour demain.